Un jour plus tard, un an plus tard, putain de semaine, je suis 15 pieds. Ça sert à rien, ça. T'as le GPS là? C'est quoi ça là? Hein? Je sais pas, il faut un CD. Il sert à rien. Il me sert à rien. Ah, ils ont pas mis le CD du GPS? Je sais pas. Ça, ils ont des trucs. J'espère au moins que. Non, regarde, regarde mes feux à l'avant. Regarde mes feux à l'avant si tu veux. Là. Enlève les warnings. C'est vrai qu'ils éblouissent. Tu peux les mettre, hein? Tu veux que je te laisse mon téléphone au cas où? Non. Pour prendre une photo. Laisse-moi tranquille. De quoi? Pour prendre une photo tout à l'heure au cas où. Ah ouais. Bah tiens, viens, on échange tout de suite alors. Et t'as les numéros qu'il te faut? Ah mais non. Garde les deux alors. Là, après, je suis dans la merde, là. Attention, il y a le panneau par terre. Hein. Je peux pas tout faire. Tu me donneras les deux alors. Oui. C'est tout. Hein. Tu me déposes devant la maison de toute manière. Ouais. Attends, je vérifie que j'ai tout. 18h57, déjà ça me fait, il m'a fait peur. Quelle heure il est, putain, mon stress. 23h19. Tu vois quelque chose? Là, tu vois mieux, non? Ouais. Je vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends pas. Ça c'est bon. Alors, je peux pas. Désolé. T'es léger en ton pare-brise. Il est la taille du lit, plus grand que le lit. Hein? Le pare-brise, il est géant. Tu vas me déposer où, chérie? Oui, une seconde. Et moi, je dois avoir la ceinture aussi? Comment je baisse ce siège là? Bon, sinon tu t'assois à genoux, il est mieux que tu restes tranquille.
Ça te dérange pas la lumière là pour rouler? Tirez doucement. C'est moi qui m'éblouis moi-même. Je te laisse à l'arrêt des bus. Et après, moi, je partirai, je fais demi-tour là où j'étais. Et je